Dans cette vidéo, nous nous concentrons sur la façon de déterminer et d'estimer les valeurs de pKa de protons particuliers dans une molécule. Les valeurs de pKa sont une mesure de l'acidité d'un proton donné. Ces valeurs sont déterminées de façon expérimentale en dissolvant un acide dans un solvant donné, généralement l'eau ou le diméthyl sulfoxyde. On détermine la Ka, constante de dissociation acide, de la réaction. Pour calculer la valeur de pKa, on utilise le log négatif de la Ka. Lorsque l'acide est plus fort, l'équilibre se trouve plus à la droite, ce qui signifie que la Ka est plus élevée et que la valeur de pKa est plus faible. Lorsque l'acide est plus faible, l'équilibre se trouve plus à la gauche. La Ka est plus faible et la valeur de pKa est plus élevée. Quel est l'acide le plus fort de cette liste? Plus la valeur de pKa est faible, plus l'acide est fort. Dans cette liste, l'acide le plus fort est donc le HBr. Des douzaines de valeurs de pKa ont été déterminées de façon expérimentale. Voici trois sources fiables pour les trouver. Le tableau des valeurs de pKa de Evans, le tableau des valeurs de pKa de Bordwell et le CRC Handbook of Chemistry and Physics. Nous avons créé une version simplifiée de ces tableaux des valeurs de pKa à l'aide de sources de données fiables en matière de valeurs de pKa. Nous examinerons maintenant comment utiliser ce tableau de façon efficace pour déterminer la valeur de pKa exacte d'un composé donné. Et nous verrons comment estimer une valeur de pKa lorsque le composé donné ne se trouve pas dans le tableau. Par exemple, on peut déterminer la valeur de pKa de l'acide chlorhydrique en trouvant sa formule, HCl, dans le tableau et en trouvant la valeur de pKa correspondante de moins 8. On peut également déterminer la valeur de pKa du phénol. Pour déterminer sa valeur de pKa, il peut être plus facile de convertir les structures condensées en structures de Lewis ou en structures linéaires. Quelle est la valeur de pKa du phénol? Le phénol possède une valeur de pKa d'environ 10. Veuillez noter que cette valeur est légèrement plus faible que celle d'un alcool typique. Nous expliquerons ce phénomène dans une autre vidéo. Très souvent, le composé exact que nous recherchons ne se trouve pas dans ce tableau. Que fait-on alors? D'abord, il faut déterminer le groupement fonctionnel qui possède le proton. Le site nomenclature101.com comprend une description des groupements fonctionnels courants et vous donne l'occasion de vous exercer et de les apprendre. Ce composé comprend un alcool aliphatique, un alcool sur un carbone hybride sp3, qui possède le même groupement fonctionnel dans le tableau des valeurs de pKa. Les composés les plus semblables sont l'eau et le terbutanol. Cela nous indique que l'isopropanol possède une valeur de pKa de 16 ou 17. On peut déterminer la valeur de pKa exacte de l'isopropanol dans un tableau plus détaillé, comme le tableau des valeurs de pKa de Evans. La valeur est 16,5. Les valeurs de pKa des alcools aliphatiques se situent généralement entre 15 et 18. Généralement, la valeur exacte n'est pas nécessaire. La valeur approximative suffit. Voici une question pour vous exercer. Quelle est la valeur de pKa du proton souligné dans chaque cas? Gardez en tête qu'il est important de se familiariser avec l'utilisation du tableau des valeurs de pKa et avec les groupements fonctionnels connexes. La valeur de pKa de l'amine est d'environ 38, la valeur de pKa de l'ammonium est d'environ 11 et les protons alkyles possèdent des valeurs de pKa d'environ 50. Les protons en position alpha par rapport à une cétone possèdent une valeur de pKa d'environ 20, même s'il s'agit de protons alkyles. Nous expliquerons ce phénomène dans une autre vidéo. Maintenant, que faire lorsque le groupement fonctionnel dans la question ne se trouve pas dans le tableau des valeurs de pKa? Nous reviendrons à cette compétence après avoir étudié les propriétés qui influencent la force des acides et des bases. Par ailleurs, en observant de plus en plus de tableaux de valeurs de pKa, vous remarquerez que le solvant est précisé et que les valeurs de pKa sont généralement différentes dans des solvants différents. Cela s'explique par le fait que le solvant influence l'emplacement de l'équilibre acide-base qui sera étudié dans des cours plus avancés. À ce stade, assurez-vous d'être cohérent en tirant les valeurs de pKa d'une source fiable et en utilisant les valeurs déterminées à l'aide d'un même solvant. En résumé,
Dans cette vidéo, nous avons appris que les valeurs de pKa sont calculées à partir de données expérimentales et qu'elles peuvent se trouver dans des sources fiables. Il est possible de trouver ou d'estimer les valeurs de pKa à l'aide d'un tableau simplifié des valeurs de pKa. Pour ce faire, il faut déterminer le groupement fonctionnel qui possède le proton en question, puis trouver ce groupement fonctionnel dans un tableau des valeurs de pKa.